Salut les amis. Voilà, on est parti pour le salon du SVA. Alors on marche un petit peu, hein, parce qu'avec le chien, bah c'est pas simple. Allez, je vous emmène au SVA. Je voulais remercier aussi Cyril, un de nos abonnés. Dans une des vidéos, on était en peine avec nos cris hydrauliques sur Max. Donc il nous a généreusement offert un cri 20 tonnes. Voilà. Donc merci à lui, vraiment merci. On l'avait déjà remercié sur Insta, mais on l'avait pas encore fait sur YouTube. Merci beaucoup. On va commencer par faire un petit tour des stands du SVA. Puis dans la vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du SVA. Des stands que j'ai trouvé sympas. Des gens qu'on a rencontrés. Et puis voilà, et puis Cécile va vous dire elle aussi ce qu'elle pense du SVA. Là, tu filmes pas? Non. Non? Non, je filme pas. D'accord. Non. Et donc, t'en as pensé quoi du SVA? J'en ai pensé quoi? Bah, si tu filmes, tout dépend si tu filmes ou si tu filmes pas. Bah, non, je filme pas là. Alors, non, parce que si tu filmes, je vais te dire que non, c'était bien, c'était intéressant. Voilà. Oui, mais non, je filme pas. Et donc, après, si c'est à toi que je parle, c'est différent. Ouais. J'ai le droit de te sortir des énormités. Bah comme d'habitude, ouais. Juste pour t'embêter. Ouais. Mais non, je filme pas, donc tu peux y aller. Ouais. En fait, j'ai boudé tout le week-end, comme tu le sais. Hein. Ouais. J'étais fixée. T'étais vexée? Ouais. Ah bon? Mmh. Pourquoi t'étais vexée? Parce que je savais que si j'y allais, Jérém, je pourrais pas le regarder dans les yeux. En plus, Xavier était pas là. J'aurais aimé quand même aller me noyer dans sa barbe, donc... Ah ouais. Mmh. Voilà, j'en fais exprès de te le dire là, comme ça j'aime bien, je suis contente de voir la tête que tu fais. D'accord. Mmh. Ah oui. Tu nous fais une révélation. Bah, à toi. D'accord. Je vais t'emmerder. Bah non, hésitez. Jérém était très occupé, Xavier était pas là. Mmh. Donc voilà, tu vois. Ouais. C'est de ta faute. Ouais. Voilà, donc j'ai boudé. Bon, tu vois, en fait, mon chien, c'était une excuse. Hein. J'ai juste boudé, c'est tout. D'accord. Ouais. Ok. Bon, on peut peut-être commencer à filmer maintenant. Il faut que je dise quoi? Bah, la vérité sur le SVA. Bah, je pense que c'est plus à toi d'en parler que moi, parce que j'ai pas vu grand-chose. Principalement. Ton chien? Les parkings. Non, c'est bien les parkings. Et ton chien dans le banc des yeux. Ouais, non, mais je le savais, hein, je m'y attendais aussi. Que mon chien, ça va être compliqué avec. Donc, ça m'inquiétait pas plus que ça. Après, j'ai trouvé qu'elle progressait. Hein. Après, pour d'autres qui la connaissaient pas avant. Ouais. Non, mais... Si, elle progresse. Regardez nos vidéos, on en a une où... tu te souviens, quand on filmait, et elle était tombée avec les sièges, là, ah oui, c'est vrai. Tracassier. Non, bah, elle a pas beaucoup changé. Si, elle était désagréable avec elle. Je suis fixée. Encore. C'est pas gentil avec mon chien. Peut-être que le prochain SVA, il y aura Xavier des M&M's. Donc j'irai me noyer dans sa barbe. Il l'a coupé.
Ah bah non, déjà moins de quoi te noyer. Non, bah d'ici là, elle aura repoussé peut-être. Ah mais. Ouais. Ok. Et non, mais là, tu refilmais. Ah non, je filme toujours pas. J'attends en fait pour filmer. Ok. Ouais. Ah non, parce que avec des conneries comme ça, après, c'est que ceux qui me connaissent pas, en fait, toi, t'es habitué. J'ai l'invité que je sors dans une journée. Ouais. Pour cette année, notre max y était pas. Hein. Bah non. Alors peut-être à l'année prochaine, pour le SVA de Nantes. On espère d'ailleurs. Sinon j'arrive à trouver une caisse. Mais je pense que je vais la fabriquer. Bon bref, voilà. Et donc bah, le SVA, là, c'était plutôt sympa. On a fait plein de rencontres, super sympa. Ça a permis de... Enfin, moi, ça m'a permis, en tous les cas, de trouver des camions avec des idées, surtout pour mon toit relevable, où j'ai trouvé quelqu'un qui avait le même système que ce que je voulais faire sur Max. Et du coup, il m'a montré tout son système, comment c'était fabriqué. Donc, voilà, chose à reproduire. J'ai trouvé aussi un bus OSVA qui avait des slides. Donc ça me permet aussi de discuter avec et de voir un petit peu le fonctionnement de ces slides, enfin voilà, comment c'était fait. Donc bah, c'était très intéressant, et puis on a trouvé d'autres youtubeurs, voilà, avec qui on a pu partager aussi. Donc vraiment une belle rencontre pendant ce salon.
Donc bah, le SVA, il est composé en deux parties. En fait, il y a une partie vraiment salon, où vous avez tous les exposants. J'ai trouvé d'ailleurs que, enfin, moi, c'était la première année que j'y allais, donc je ne sais pas les autres années comment c'était, mais il manquait quand même pas mal d'exposants. Enfin, c'était un peu limite, beaucoup de cellules pour des Land Rover et autres, voilà, des cellules de caisses sur pick-up. Hein. En même temps, c'est le thème de ce, ouais, sûrement, de ce salon. Ouais. Ouais. Donc, moi, j'y allais plus pour du camion. Donc, si par contre, il y avait du Limog, il y avait un beau Mercedes avec la caisse toute en métal à l'arrière. C'était très joli. Et puis, moi, il y avait une autre partie donc, du salon avec des véhicules qui étaient exposés de gens qui ont créé leurs véhicules. Hein. Voilà. Bah, ça m'a permis de discuter avec eux, de voir un petit peu, faire le tour des camions, de voir les châssis, comment ils avaient fait avec leur châssis 3.1 ou pas. Voilà, j'ai pu glaner quelques infos là. Donc c'était vraiment sympa, de beaux camions et de belles personnes. Voilà. Sur les parkings, beaucoup de monde. Avec notre chien, c'était pas simple. Pour ça que Cécile est restée d'ailleurs dans Gigi, parce que bah, la chienne impossible. Et puis on a rencontré des abonnés, ce qui était vraiment super sympa. Voilà. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Papy Maxon, avec qui on a pu échanger un petit peu. On était stationnés à côté. Je suis désolé qu'on soit parti un petit peu brusquement, mais bon, avec le chien, voilà, c'est un peu compliqué. On espère que la prochaine fois, ce sera un petit peu assagi et que les choses seront plus simples, surtout pour nous. Alors sur le salon lui-même. Franchement, une belle organisation. Bravo. Ils organisent donc, il y a plusieurs parkings, il y a plusieurs bivouacs. Ils organisent donc des navettes hein, pour aller de bivouac à d'autres, des navettes qui sont gratuites. Faut savoir qu'ils mettent quand même plus d'une semaine à monter tout le parc en fait hein, pour le SVA, et qu'ils mettent à peu près 4 jours à faire tout le démontage. Donc bravo à eux, vraiment bravo. Oui, je voulais dire que, désolé, on pense pas forcément à distribuer des stickers de notre logo. C'est plus par oubli. Donc, quand vous nous voyez et que vous en voulez, n'hésitez pas à nous demander. Bon, et vous, vous avez pensé quoi vers du SVA ? Est-ce que vous avez été au SVA, d'ailleurs ? Vous nous mettez tout ça dans les commentaires. Mon mari, il n'en peut plus en ce moment, donc comme vous le constatez, Nico, donc c'est les verres à bière. Ensuite, on a les mugs. Je suis impatiente de la gigoteuse pour dormir. Car on ne sait jamais si j'oublierai. Hein, mon loulou. Oui, je sais, je t'en sors toujours une. C'est plus fort que moi. T'as pas eu autre pépite, là. De la gigoteuse, non, mais ça va être génial. Je suis impatiente, là. Donc je vis Tortue Carrefour, hein, si vous l'aviez pas remarqué. Non mais ils savent que je suis une grande nerveuse. Non, ils ont pas remarqué. Ouais, si. Si, ouais. Bon, donc voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, bah, abonnez-vous, likez, plein de pouces bleus. Voilà, ça motive beaucoup à refaire et puis ça nous permet aussi pour notre visibilité de... d'augmenter. Voilà, donc merci à vous. Salut les amis. Allez, salut les amis. À bientôt à la prochaine vidéo. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay.